Kabila. Maman va prendre la nièce. Éternelle première dame. Éternelle première dame. Maman ni maman. Mission TV, le miroir du monde. Yeah.
Elisabeth Charamoine, qui est mis maintenant à l'écart et se repose auprès de nous. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge de Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ,
que ce Dieu vous ministre de tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté. Qu'il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux. Par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Élevé dans le Seigneur, paix de la parole de Dieu. Car il viendra ce jour, il viendra.
vous déclarer une force d'être pour vous. Vous serez mis en vérité. Et à ce moment-là, nous sommes donnés. Comme nous l'avons dit dans notre prière, le Dieu Salina, cette Salina, priez pour nous, pauvres pécheurs, avec les pécheurs. Maintenant que nous sommes vivants, nous pouvons parler nous-mêmes de nous-mêmes à l'heure de notre mort. À l'heure de notre mort, à l'heure où nos bouches ne pourront plus s'ouvrir pour parler, à l'heure où nos bouches ne pourront plus s'ouvrir pour chanter Sainte Marie, pour prier. Et aujourd'hui, nous sommes dans une église. Nous venons nous joindre à la Vierge Marie. Bénédictionnaire de cette célébration de l'Eucharistie et lieu de samedi, le jour de la Vierge. Et le texte de la lecture nous est rappelé la valeur de ce que nous faisons. Nous souvenons de notre sœur Charles, de l'amour qu'on avait pour elle, et par tradition, voilà au cours de son 40e jour. Et ce texte de la lettre aux Hébreux a deux grands textes. La première partie, c'est la reconnaissance de la valeur théologale de l'acte que nous posons maintenant envers la grâce. Et la deuxième partie, non la moindre, c'est la bénédiction que Dieu donne à ceux qui font cette acte. C'est pour ça qu'à la fin de la messe, je ferai cette bénédiction spéciale de la lecture. Et voilà que le Seigneur dit, n'oubliez pas, en toutes circonstances, avant de faire quelque événement soit-il, commencez par offrir à Dieu. C'est ce que nous sommes venus faire. Offrir à Dieu par Jésus. Cet acte, Seigneur, tout ce qui est arrivé, c'est pour ta gloire. Nous sommes des hommes. Quel que soit l'amour qu'on avait de garder, Mamie Elisabeth avec nous, il y a un moment où le Seigneur dit, maintenant c'est mon temps. Maintenant c'est mon heure. Ce qu'on appelle Kairos, c'est le Seigneur. Et le Seigneur nous demande très bien un acte de foi. C'est ce que le texte dit dans son verset 6e. Un acte de foi. En venant à la messe, ça veut dire que nous acceptons, Seigneur, que c'est toi qui nous l'as donné, c'est toi qui nous as appelé. Nous l'as créé, Seigneur. C'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres par l'honneur de Dieu. Maintenant, Dieu est honoré. Parce qu'il nous a donné la chance, la grâce d'avoir vécu, d'avoir touché le matin, d'avoir pu danser grâce à ses chansons, d'avoir pu festoyer grâce à elle, d'avoir pu vivre des sons grâce à elle. Nombreux ont cherché cette chance-là, et bien, ils n'ont pas trouvé. Combien sont-nous ici? Si quelqu'un venait, on nous dit, ah, voilà, viens te voir, viens choisir quoi est là. Mais quelqu'un qui vient de l'intérieur va nous trouver par une autre avec nous. Et quand il va aller avec ces groupes-là, celui là-bas, il dira, ah, Dieu soit avec nous. J'ai eu la chance de voir Félix choisir. Heureusement qu'il n'est pas la messe. Je donne un deuxième exemple, comme le Saint-Père est arrivé à la cathédrale de Notre-Dame du Bois-Rétier, on vient de chercher du protocole. Je serais bien une religieuse qui sort là-bas et qui pleure là-bas, ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Je m'avance à ce verre ma soeur, j'ai dit ma soeur, s'il y a un souci, et quand tu vas de l'homme, tu t'amènes de l'évangile et tu me cries comme vous. Mais elle pleurait de couvert. J'ai demandé à la sécurité de la grande force. Je la mène à la cuisine, je vais me dire.
tout le monde, il me serait avec nous. Et une fois j'ai demandé à mon père de vous aller à bord, je suis retourné sur ma vie, et je vais mourir comme ça sans voir le pas. Je vais mettre ma soeur, ça coûte 5000 dollars pour aller jusqu'à bord, voir le pas. Maintenant, les commandes, je vais vivre ici. Ah, Seigneur, quelle grâce! C'est donc nous-mêmes les hommes qui ne savons pas les grâces que nous avons d'avoir les hommes, même les grandes personnes avec nous à côté. Nous ne savons pas que la grâce est à côté de la vie de ma famille. Dès que l'on est aujourd'hui, on se rend compte que, à la matérialité, on peut bien interpréter ma matière, mais ce n'est pas comme ça. C'est là qu'on voit la valeur. Quand la personne, quand l'homme, c'est maintenant qu'il faut savoir honorer les gens, respecter les gens. Il faut simplement et imiter à faire le bien. L'évangile, ce n'est pas beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de connaître la Bible par cœur. Moi, je ne connais même pas par cœur. Par cœur. Non. Mais que la Bible aide à faire le bien à l'autre. Pour ce bien-là que le Seigneur a fait. Et le verset 16 dit, n'oubliez pas, lorsque vous faites offrande au Seigneur, n'oubliez pas de partager et d'être chez vous. C'est comme ça que vous voyez après les événements, les grandes cérémonies, les traditions font qu'on reste ensemble, on se partage un verre d'eau, un verre de sucré, on se partage un morceau de chicoin, parce que chez nous, un morceau de pain, un morceau de poivre. C'est cet évangélique. Vous célébrez ensemble la louange du Seigneur, vous célébrez ensemble la vie que le Seigneur. Frères et sœurs, ce que nous faisons aujourd'hui, à l'issue de la louange que nous offrons au Seigneur, réellement la pierre tombale. Il sera béni le jour après cette prochaine phase. Comme vous le savez, toute pierre tombale a quelqu'un parti. Il y a cette semaine qui nous souffre d'être des frères et sœurs. Il y a Simon une relation. Aujourd'hui, on est devenu une grande famille. Plus soudés, plus unis et plus grands grâce à la matière. Et nous avons mis une base, cette sphère, qui peut lui, notre amitié envers elle, qui va ouvrir la fosse. Et bien, tout ça va être le soubassement qui est l'amour du Seigneur. Cette tombale qu'on met parmi tu seras le mieux pour désormais, si l'on veut la rencontrer. Ou désormais, si on veut lui parler, mais on va y aller. Je félicite tous ceux qui ont participé à cette belle performance. Parce que la phrase que j'ai retenue de son mari au cimetière à la servante, il disait, tu aimais les belles choses, je te donne une belle réponse. Mais bientôt, c'est une belle réponse. Parce que Richard a été une belle femme. Elle aimait les belles choses, de bonnes choses, que vous lui en faites une belle, lui en faites une bonne. Mais c'est là une autre manière de lui dire que tu ne partiras pas. On pleurera toujours encore. On lui dira toujours. Tu vas me chamer.
Thank you.
Yeah.
avant et avant Christ. Donne toujours cette tête et conduis la vers l'unité de la tête, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui renouvelles nos forces par ces mystères d'instinct, ta force, par ta servante Élisabeth Charlemagne, purifiée de toutes ses fautes, fais-le tomber par le vin et la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi le Dieu du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Quelque chose qui est très important maintenant. Et j'aimerais même que le journaliste que vous avez ici explique mieux. Quand il est là, il est là. C'est la première partie de la cérémonie qui va enfin passer ces prochains cas ici à Notre-Dame. Mais la suite, la deuxième partie de notre cérémonie religieuse, dans sa globalité, continue dans les propos de la mort. C'est là que nous allons continuer la prière et nous allons la prière. Et puis, il y aura l'évoilement de la pierre tombale qui sera suivi de la bénédiction de la pierre tombale. Et après, il y aura, qui sera suivi de l'explication de la pierre tombale à l'architecte. Et on donnera à chacun de nous une fleur. C'est le dépôt de la fleur dont sera baptisé en Amanda. Quand déposez votre dépôt, votre dernière fleur, si vous pouvez vous adresser à Amanda ou à nous ici sur Amanda, on le verra tout simplement. Parce que si on le fait ici à l'église, une absence qui a comme témoin, ça va nous enlever la substance de ce que je vais dire là-bas pour la justice. Je propose que les discours aient lieu tous là-bas, au moment où on propose de lui dire bonjour pour la salut de soutien. Et puis après, on va partir sur le protocole de là-bas pour nous décider. Alors, pour partir ici, il y a trois plus. Il y a un plus pour la famille biologique, maman Charapana. Il y a un deuxième plus réservé aux acteurs de la presse et communication. Et il y a un troisième plus pour nous, les frères et sœurs, qui vont arriver. Et ce qui, pour des raisons, le service, pour des raisons, ne peut pas y aller, je ne fais le porte-parole de la famille. Pour remercier de votre présence. Et vous, je suis pas parlant de la vie. C'est comme ça d'ailleurs que vous comprenez.
Bonjour Kinshasa, bonjour le monde, salutations distinguées à tous ceux là au fond à la nécropole. Je vais zoomer l'image, voilà, entre ciel et terre, nous sommes à plus de 50 km de Kin, enfin du centre-ville, à ce samedi 5 janvier. Plutôt samedi 4 janvier, nous avons rendez-vous à la nécropole pour honorer ceux qui nous ont quittés. Et en ces jours particulièrement, nous allons honorer l'artiste, la chanteuse Mamou Tchalamwana qui nous a quittés, ça fait 40 jours aujourd'hui. Nous allons assister donc au dévoilement de... sa pierre tombale. Évidemment, peu avant la cérémonie prévue cet après-midi, il est presque 14h, nous avons été à une messe d'action de grâce. Le reportage complet vous sera proposé tout à l'heure sur votre chaîne, non à la balkanisation. Voilà, messe d'action de grâce pour commémorer le 40e jour depuis le décès inopiné d'Elisabeth Tchalamwidikai, enfin qu'on appelait affectueusement Mama Tchalamwana. Présence particulière à cette messe, celle de l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila au four et au moulin, qui était là depuis le premier jour et qui n'a pas, en tout cas pas abandonné la famille. Elle sera à la nécropole et vous verrez l'architecture utilisée pour la pierre tombale, tellement impressionnant à la taille de l'immensité de l'artiste Mamou. En effet, même s'il avait été, ses obsèques avaient été boudées par le pouvoir public,
mais celles et ceux qu'elle a réussi à égayer durant son séjour sur Terre, mais surtout pendant sa longue carrière musicale. Nous ne l'avons pas oublié. Alors là, je m'approche de la nécropole. Toutes les images, toutes, seront transmises, en direct. Alors ne nous quittez pas, restez surtout avec nous sur notre chaîne. On a passé un agréable séjour papal avec vous. Toutes les images du pape François à Kinshasa vous ont été transmises en direct sur notre chaîne, évidemment avec le concours de nos confrères de KTO, que nous remercions, qui ont bien accepté que notre chaîne diffuse ce reportage. Et voilà, merci à tous, à chacun pour le concours, à ceux qui s'abonnent. Vous ne commettez vraiment pas d'erreur. Vous ne commettez pas d'erreur. Et on vous dit toujours chez nous, priorité au direct. Priorité au direct. Et merci à notre équipe. Christian Pongo, notre caméraman, qui n'est pas avec nous parce qu'il a perdu sa petite sœur propre. Notre chaîne Non à la balkanisation est en deuil. Notre caméraman, Christian Pongo, réalisateur, a perdu sa petite sœur propre. Elle était enceinte, elle est allée accoucher, elle a perdu la vie en donnant la vie. Nous sommes très bouleversés par ce décès d'une jeune fille de 27 ans, mariée il y a à peine 2 mois. Très bouleversée. Et là, c'est la nécropole entre ciel et terre, le petit marché à côté. Il y a un peu de tout là. Et voilà. À très vite, ne nous quittez pas sur notre chaîne. La nécropole. Et là, c'est Claude Machala. Salut Pius Romain, il était malade lui aussi Pius. India Oumari que vous connaissez, vous reconnaissez sans doute. On a fait une belle émission avec lui sur la chaîne. Vous pouvez continuer à la savourer. Et tous ceux-là, ils sont tous kabylistes ou mélomanes. Beaucoup ont fait le déplacement de la nécropole. À la nécropole, entre ciel et terre. Et là au fond, vous apercevez où repose pour l'éternité Mamuchala Mudikai. À l'enterrement, quand je disais qu'elle a été inhumée dans un quartier VIP, beaucoup m'ont contredit, estimant qu'il ne pouvait pas y avoir des quartiers VIP dans un cimetière. Non, c'est faux. Il y a bel et bien un quartier VIP ici. C'est ici qu'ils sont enterrés les grands noms. Les grands noms de la musique. Les Papa Wemba, dans le quartier là au fond. Les King Kester et Menea. Kwamambu et d'autres. Ça va, Théo? 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 Ça va, Théo?
Des jolis tableaux reprennent chacun un des singles ou les albums de Mahmoud Tchala. Comme ici, Amina, un single sorti en 1922. Nassina Bali, belle chanson que vous connaissez. Sorti plus tôt en 85. Et là, c'est le paysage des nécropoles. Et son symbole, là, tout au fond. Des youtubeurs et d'autres journalistes qui sont présents pour couvrir la cérémonie. Ici, c'était l'une des meilleures époques de la chanteuse Kanyounou, l'oiseau, sorti en 82, Pocolo, une autre chanson. Et là, au fond, c'est tout récent. La Cour de Grand 2016, et ici. Et là, c'est moi-même, tout transpirant. Il fait très chaud ici, on est autour de 30 degrés, ou 32. Très très chaud, extrêmement chaud. En ce samedi où nous venons honorer celle dont la musique a longtemps caressé, j'ai envie de dire bercé notre petite enfance. En tout cas pour nous qui avons grandi au Kassai et qui parlons le Tchouluba, la plupart des chansons Luba de Tchalamana, je le connais par cœur. Je le connais par cœur. Et voilà ce symbole de nécropole entre ciel et terre. Et là, c'est l'avenue du souvenir. Au fond, l'avenue de la paix, l'avenue de la paix. C'est là tout droit. Et là, c'est un tourbillard qui amène très probablement notre corps. Claude Machala qui fait son entrée. Les compagnons de maman. Il est bouleversé par cette disparition inopinée. Heureusement qu'il peut compter sur ses amis, ses camarades du parti. Sous bonne escorte. Des chanteurs, il y en a aussi. Au fond, Serge Tubin. Aïcha, Aïcha. Et c'est l'arrivée de l'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila. Au volant de sa 4x4. Sous bonne escorte des militants du PPRD qui chantent à sa gloire. Azalikoya, Naetumba,
L'abbé Coco, qui était là depuis le début, il est encore là présent. Il va prendre la parole. C'est encore lui qui fera les absoutes. Bien évidemment, avant le dévoilement de la pierre tombale. Salamana, maman bien-aimée, il repose ici désormais. Nous sommes venus prier le Seigneur des morts et des vivants, de l'accueillir dans la lumière de la vie. Pour que le Dieu de toute consolation lui donne la joie de sa présence et de son amour. Pour tous les baptisés que le Christ a rachetés de son sang, afin qu'ils soient vivifiés par sa résurrection. Pour tous les défunts ici qu'il accueille dans ce domaine, afin que Dieu ne le rejette pas, lui qui les a créés par son amour. Nous tous ici réunis, qui témoignons de notre foi à la résurrection. Que le Seigneur nous donne sa force et sa grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et aussi, courte prière, demander à la Vierge Marie de conduire notre maman comme les Juifs, elle les a conduits. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça y est. Le... Merci. Nous allons inviter M. Claude Massama. Le moment tant attendu. Ce sera douloureux. Il faut s'y attendre. On fait appel à Claude Massama, le compagnon. Et la famille biologique de Mamou. Ça avance. Papa Tshitenge, de l'autre côté. Donc vous regardez le temps, s'il vous plaît. Vous regardez le temps. Les autres personnes, faites le tour, s'il vous plaît. Ne soyez pas tous devant. Traînez les différents coins. Traînez les différents coins parce que vous allez tirer les rideaux ensemble. De l'autre côté, en dehors. En dehors, s'il vous plaît. Quelqu'un de ce côté ici. Quelqu'un de ce côté ici. C'est ça. Là. Vous allez toucher ça. Un moment plein d'émotions et de douleurs. S'il vous plaît. Santa Maria, 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 Santa Maria,
que notre Hachala qui résiste encore, alors que les autres s'effondrent. Belle architecture. Il y a un tam-tam et la main, symbole d'une des chansons à succès de l'artiste Chanza, vous vous en souviendrez sans doute. Et enfin, la prière. Là, au fond, c'est Damien Dimonekele. Ceux qui ont fait l'Europe autour des années 80 les connaissent. Dadi Production. Que la gloire des justes et ton Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté notre sœur de crainte, puisque la crée à la résurrection dans le Christ, accorde-lui de goûter le bonheur qui ne finit pas. Très belle architecture. Babé Coco, un chanteur par excellence. Il s'y connaît très bien. Oniam confirmata et super nos misericordia eius. Et veritas domini maletit eternum. Christus vini, Christus veni, Christus vini. Gloria Patri. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé 3 jours au sein de la terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. En ce jour où nous nous rappelons devant toi le souvenir de notre sœur défunte, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix dans cette tombe, jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la lumière de ta face. Toi qui es vivant pour le siècle des siècles, donne-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille sur elle la lumière. Le tam-tam au-dessus a une forte valeur symbolique. Avec le micro, ça symbolise la longue carrière enrichissante de la reine de Moutouaché. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Elisabeth Chalamudikai. Parti à 64 ans. Nous allons continuer cette fois avec les dépôts déjà de l'autre. S'il vous plaît. Un autre moment plein de douleurs, le dépôt de gerbes de fleurs. Claude Machala qui ouvre le bal. Qu'est-ce que c'est pénible pour lui? Accompagné par India Omar. Claude et Chalamanda ont passé les 20 dernières années ensemble à leur résidence de la Gombe. Et là, il baisse la tombe. Repos éternel. Il n'y a jamais dans nos cœurs. Claude qui parle. Où la parole est presque sans voix. Je ne saurais laisser toutes ces émotions me rendre muet. Quand bien même je ne saurais exprimer tout ce qui est en moi. Mamie, c'est vrai, elle est partie. À chaque minute que je sens ça, je vis ça. C'est le deuil de ma vie, je vais rester avec pour le reste de ma vie. C'est vrai. Comme on l'a dit, un brillant prédicateur le 16 janvier dernier au centenaire, ça servait à rien de pleurer et pleurnicher, car avec ce qu'on a perdu pour de bon, on ne saurait plus rien faire. Par contre, il faudrait s'appuyer sur Dieu pour que finalement, avec ce qu'on est resté avec, on puisse faire quelque chose. Là, je cite le révérend docteur Kawata. Ce jour-là, j'ai cru qu'il était en train de s'adresser à moi. Chalamwana, c'est vrai, vous êtes là devant ce morceau de pierre. On a juste voulu résumer un peu tout ce qu'elle a été. Ce qui fait que j'ai eu à collaborer moi-même à la création de cette œuvre. Il y a une larme, elle ne voulait pas me quitter. Elle ne voulait pas me quitter. Elle avait peur de me laisser seul. Il y a sa musique, il y a le tam-tam. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, le terme Mutuashi est une marque déposée de Chalamwana. En Chiluba, Mutuashi, ça n'existe pas. C'est Mutuas qui existe. Elle a créé Mutuashi à partir de la Côte d'Ivoire. Chalamwana, c'est la main. Cette main qui va au secours de toutes les autres parties du corps. Elle va consoler, elle va caresser, elle va toucher, elle va gratter. Mais quand cette main a des problèmes, aucune de ses parties n'est jamais sans secours. Chalamwana, sa vie n'a pas été un morceau de plaisir, un moment de plaisir. Et cette chanson a été composée par nous deux à l'occasion d'une tournée entre Bujimayi et Kananga. Cette chanson fut écrite et composée en une soirée. Elle va rester gravée parce que nous tous ici, nous sommes demain.
Nous tous ici, au quotidien, nous vivons l'ingratitude. La main est partie. Et je ne sais pas qui va encore me gratter, qui va encore me caresser, qui va encore m'essuyer ou me dorloter. La main, ma main est partie. Mamie, je profite de l'occasion pour en ton nom demander pardon à tous ceux-là qui t'auraient offensé. Et à ton nom, j'accorde le même pardon à tous ceux-là qui t'ont aussi offensé. Car même morte, il y a eu des petits malins qui ont pensé que c'était une opportunité pour te griffer n'importe quoi. Je leur pardonne. Et là, c'est un peu comme à chanter ton voisin d'en face, Papa Wemba. Papa Wemba a chanté, il a dit Motosoki akufi bakoye bate bolamu bolingo bomutoye azalaka na mokili bomoto bolingo bondeko na ye ekeise na mayo. Soki mbinga zorite, nasima nani akoyeba nasima. Nalingaka mboka na ngai, nalingaka pepere de nana, kitu nalingaka kabila na ngai. Merci mami, adieu. Quelques mots de Claude. Bon, nous allons à présent laisser la place à la famille. De campagne. Nous allons inviter Papa Chitengue. Il sera accompagné de sa soeur pour venir déposer la jeune de fleurs. Des mots très lourds d'émotion. Et là, c'est la famille biologique. Papa Chitengue, Simba, Yaya, Boya, Malinde. La famille biologique. Au fond, c'est la grande sœur. Papa Chitengue, Malinde. Alors, le roi Oyo est allé en Gambé. Ce que Zali a mouti à Mokili. Et moi, à Ebisio, Zali est délé. Et ça, on a Zali à Pongi, à Mouanakayo. Et ça, on a Wafi, à Wouza, à Kakanaye. En tout cas, à Sokiwana. Merci beaucoup. Merci, Papa Chitengue. Nous allons inviter les enfants, les nièces, les neveux, si vous pouvez vous organiser un groupe.
les dépôts des fleurs et les recueillements en même temps. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette cérémonie, à moi qui a été président du comité d'organisation des obsèques des mamans, qui a aussi partagé la vie de Tchelamouana pendant plusieurs années. Jean-Marie Kassamba voudrait s'exprimer pour prendre quelques minutes le temps que ses collègues musiciens puissent terminer leur recueillement pour la douce musique du Moutoche. Mais tout ça, on a un peu de temps.
Donc, ils sont surtout tout vraiment touché. Une initiative au sport basé privé pour essayer que on aurait des bonnes solutions. Vous avez si quoi la roule du Cambodge, mais maman, quoi la couille au Sénégal, parce que maman tient la mode. Pas où il m'a wana, mais provisoirement qu'il est là, vous êtes là à Mosolinaï. Donc, la roule c'est notre Cambodge la vie est à la Oye de biso tous en mausolée à papa Wemba. Et bah on est artiste mineur. Si on y est dit, si ma loi, comme on a biso sur le monde. Et nous on peut s'abiso valeur qui attend tant toujours sur la mentalité. Très touché maman. Vraiment. Bon, on a dit presse pour le bas. Bon, artiste et monsieur Bazali ou habité. Artiste et monsieur Sou, pas y bagité. Parce qu'il y a une invitation. On attend que la ville m'a combattu. La soirée du personnel manga y mon andambo. Vous allez dire trop tard. Quand on a tout bien gagné à la vie, on a bien la vie, on a bien la vie, on a la donc, quelque part, le message est en moralité. Hein? On a mis un souper, on a mis un programme. On a mis un souper, 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 on a mis merci. Continuons les recueillements, mais avant, nous allons donner la parole à M. Jean-Marie Kassamba. Olivier Lembe Kabila, toute l'assistance, notamment la famille, échantillon de, des artistes qui sont ici. Je prends cette parole au nom de, du comité organisateur, général, qui ont été organisés sous la direction de Maman Olive, et bien évidemment inspirés et surtout initiés par le président Joseph Kabila Kabange, qui a honoré cette dame de la plus belle manière, du début de l'annonce de son décès, le 10 décembre dernier, jusqu'à aujourd'hui. Il vient d'être dit par Félix Rosé quoi, qu'il y a suffisamment de stars ici. Malheureusement, nos stars finissent dans l'oubli. Et Joseph Kabila Kabange est l'homme des missions accomplies. Il vient d'accomplir un geste louable. C'est pour cela que je voulais le remercier vivement. En même temps, j'avais un mot à dire à Maman Tchala, parce que d'aucuns disent que l'on ne parle pas aux morts. Moi, je sais qu'elle m'écoute. La chanson qui est en train de passer, j'en suis l'un des promoteurs pour les paquets, producteurs. C'est mon propre frère qui est chanté là-dedans. Chalamona, c'était ma sœur. La seule grande sœur que je n'ai pas eue quand j'étais là-bas. Et Claude, bravo pour le courage. Pas évident. Elle me manquera tout le temps. Merci à toi, maman. Je sais que on se verra. À bientôt. Merci. Nous allons.
Ma Mission TV, le miroir du monde.